Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un énorme glitch qui vous permettra d'importer les véhicules du solo vers le multijoueur. Donc il y a déjà des manipulations qui sont sorties, celle-là est vraiment très différente étant donné qu'elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que les précédentes. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de clé USB, et cette manipulation marche très bien sur Xbox 360 comme sur PS3. Donc pour cela vous allez devoir vous rendre dans le Los Santos Custom le plus proche du solo, et vous allez tout simplement prendre la voiture et customiser la voiture que vous souhaitez mettre sur le multijoueur. Donc je tiens à préciser que la voiture que vous voulez importer doit forcément rentrer dans le Los Santos Custom. Donc ça peut être la dépanneuse comme je vais le faire sur la vidéo, ou alors ça peut être une adder, etc. Donc ce glitch peut se transformer en glitch d'argent, étant donné que si vous faites ce glitch avec une adder, vous pourrez à ce moment-là la rentrer dans votre garage et la vendre. Donc une fois que vous avez customisé la voiture de votre choix, vous allez tout simplement ressortir du LS Custom afin qu'une save apparaisse. Et une fois que la save est apparue, vous allez tout simplement re-rentrer dans le Los Santos Custom. Donc je tiens à préciser que vous ne devez surtout pas, mais surtout pas, abîmer la voiture. Et une fois que vous êtes re-rentré dans le Los Santos Custom, vous allez tout simplement toucher à rien. Vous allez vous laisser le menu des catégories sur votre écran. Vous allez appuyer sur Start et faire en ligne, jouer à GTA Online et lancer une session Go. Donc c'est bien une session Go et ne pas une session sur invitation, une session de crew ou tout ce que vous voulez, c'est une session Go. Donc une fois que cela est fait, vous allez retomber dans une session multijoueur avec énormément de personnes. Donc je tiens à préciser que si vous tombez dans une session où il n'y a personne, le glitch ne marchera pas. Et si vous tombez dans une session et vous ne voyez pas votre pseudo en haut à droite quand vous appuyez sur Start, le glitch ne marchera pas. Donc c'est les serveurs Rockstar qui sont actuellement en maintenance. Donc il faut faire très attention à ça, sinon le glitch marchera pas. Donc une fois que vous êtes sur le multijoueur, vous allez tout simplement faire Start et vous rendre sur le marché Xbox Game. Et quand vous serez sur le marché Xbox Game, bah vous n'aurez plus qu'à le quitter. Vous allez voir que le chargement sera assez long. Et si tout se passe bien, vous allez tout simplement réapparaître dans le Los Santos Custom. Et vous pourrez à ce moment-là modifier la voiture, la baliser comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais remercier Neos de m'avoir passé ce gameplay, étant donné que moi, les serveurs de Rockstar étaient en maintenance quand j'ai essayé de faire la vidéo, et du coup le glitch n'a pas fonctionné avec moi. Mais Venger a réussi à le faire ce matin très tôt et m'a confirmé que ce glitch marchait bel et bien. Donc je le remercie, ainsi que Neos. Donc la dépanneuse, vous ne pouvez absolument pas la rentrer dans le garage, mais ça va pas tarder étant donné que j'ai un glitch pour rentrer n'importe quel véhicule dans votre garage qui devrait arriver très prochainement sur ma chaîne. Je tiens à préciser aussi que ce soir je serai en live sur Twitch, donc pour ceux qui voudraient me rejoindre, bah tout cela se passera sur Facebook et Twitter, et je mettrai une petite vidéo comme d'habitude. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt, allez, ciao, bye bye tout le monde. Je tiens aussi à préciser qu'il y aura un tuto bien détaillé dans la description pour ceux qui n'auraient pas compris, et que vous pouvez à tout moment poser des questions dans l'espace commentaire. Venger et moi, nous y répondrons volontiers. Allez, ciao, bye bye tout le monde.